à l'atterrissage, le Rafale Solo Display 2021, mesdames et messieurs, le capitaine Schuss. Évidemment, il est d'usage de dire qu'il faut toute une armée pour faire voler nos avions. Alors à l'issue de ce vol, ce seront tous ces mécaniciens qui vont se ruer autour de son appareil pour effectuer les vérifications d'usage. Justement, ces mécaniciens, on les retrouve sur le stand tradition du Rafale Solo Display qui se trouve juste à côté du car podium de l'armée de l'air et de l'espace. Alors si vous voulez savoir ce que ça fait de travailler sur un Rafale, si vous voulez savoir ce que ça fait de piloter un Rafale, je vous donne rendez-vous là-bas, juste à côté du car podium de l'armée de l'air, évidemment. Le capitaine Schuss, quant à lui, se joindra à vous également sur le car podium de l'armée de l'air et de l'espace à l'issue des démonstrations. En espérant que vous aurez apprécié cette démonstration qui, en plus de montrer toutes les capacités de l'avion, montre le professionnalisme des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace qui, aujourd'hui, pour tous ces pilotes de Rafale, passe entre les mains d'instructeurs tels que lui, qui ont engrangé plusieurs milliers d'heures de vol sur ce chasseur d'exception. La transmission, c'est également dans l'ADN de tous les aviateurs. Je vous remercie pour votre attention et vous laisse entre les mains expertes de Bernard Chabert pour la suite de l'après-midi. Et vous dis à tout à l'heure, peut-être, pour la Patrouille de France. Merci à toi.